aujourd'hui sur Midtown, hashtag New York. Alors là, on va découvrir New York. Je sais pas du tout quoi faire. On va pas prendre encore les persos, genre on va faire une vidéo de découverte, genre Bastion, etc. On va prendre des trucs très standards, genre ça par exemple. On a déjà testé Hanzo. Le son! Oh mon dieu, ça décrase ses oreilles! J'ai mon oreille décrassée! Le tableau des scores va vraiment falloir faire une étude approfondie parce que là c'est vraiment perturbant. Genre, heal, damage. En plus, ils sont en symétrique. C'est totalement bête ça par contre. C'est hyper perturbant. Attendez, je veux pas sortir, je sais même pas où. Je connais pas la map! Tirez pas! Il n'y a plus de ce jungle. Hop là, triple kill. Oh. Oh non mais là, attendez, on l'a capturé trop vite, j'ai pas eu le temps de découvrir. On fera une autre vidéo, hein. Tout ça, j'ai tout prévu, mais là je vais en mode, je saute dans l'arène, je veux découvrir genre from scratch. Je veux découvrir genre, voilà, l'enfant qui découvre son cadeau de Noël. Mais du coup, sans savoir ce que c'était, quoi. C'est là, c'est vraiment genre, je suis dedans. Ouais, non, c'est quoi? Bob dans Overwatch 2 il se passe bien. C'est fou. Bob dans Overwatch 2 il se passe bien. Mais il est trop bien Bob dans Overwatch 2. On peut passer à Overwatch 2 tout de suite. Ah ça va où là? Attends. Il n'y a plus de flashbang. Ah bah il est mort. Attends. Je suis pas habitué là. Faut casser ça? Oui! Pourquoi je peux pas attaquer en mêlée? Ah, je suis pas sur mon compte, hein! Il y a sûrement des trucs qui ont sauté, qui ne marchent pas. Ouais! Il va où lui? Allez, one! Allez, tu one! C'est bon là! Le drop! Bob! Bob! Merci. J'ai trop bien ce spot! En tant que H, c'est ouf! En tant que plus de aussi. Attends, on peut aller là-haut? Ah non. J'ai pas l'air con ici. Je peux pas attaquer en mêlée. Elle est partie par où elle? Attendez, mais il y avait une hache. Je suis perdu. Elle est passée où? Faut aller là-bas. C'est quoi ici? Perturbant ces dégâts et ces bruits. Du coup, il y a un flanc là. On peut essayer un truc là.
ici. Oh, attends, bah là je suis tempo. Comment on fait pour ping? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le ping. On se met à parler. Il va venir là? Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont? J'ai peur! Je sais pas où ils sont, d'où ils peuvent venir! Oh putain, la lampe! Toujours aussi broken ce truc! Coucou! J'ai pas mon attaque en mêlée, je peux pas finir les cibles! Oh non, on a perdu le cheval! Tommy? Tommy, tu peux viser 5 secondes? Oh, apparemment, on peut pas viser 5 secondes. Allez, on se regroupe et on est reparti pour un tour! Attendez, j'ai un bob! Bon, les stats. Ah, si, il y a écrit là, les. On voit les ultis des alliés, d'accord. Et le temps de respawn. Ok. Ok, ok. Petit à petit, je commence à. Ça compte. Il est invincible derrière ce truc de bûche, du coup. Attends. Je vais avoir du mal. En fait, on a l'impression que. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça et comment ça se fait. On a l'impression que. Non, il n'y a pas de porte. J'ai l'impression que le jeu est vide. Oh non, patin! Oh putain, on a cassé les gueules. Quitte pas, Bida. Comment on fait? Putain, j'arrive à le rater. T'as glissé et tout. Aïe, aïe, aïe. Ça fait du dégât. J'ai pas mon attaque en bleu. J'ai un problème de sensi, je pense. C'est pas grave, on n'est pas sur mon compte, j'ai pas touché au bouton. Je suis là juste pour tester le perso. Les persos et le jeu, évidemment. Je fais quoi, Baptiste? T'es coincé? Faut mourir le cheval maintenant. Oh, on peut aller là? On peut. Putain, je peux pas. Attaquer en mêlée! Je te veux, hein? Ah! J'aurais dû lui lancer un bob pour lui casser. C'est bon, un point. On a 2 minutes, faut pousser là. Je vais devoir lancer bob. Il a son ulti. Il sert à rien avec son ulti. T'es festif, bob. Oh, ils sont partout. Ça commence à être compliqué. Tommy, il faut vraiment que tu t'appliques, mais c'est compliqué. À mon avis, ouais, je pense que la sensi, je l'ai constaté sur l'endroit tout à l'heure. Mais bon. C'est plutôt plaisant, hein, jouer H sur Overwatch 2. Son, le coach again. Le coup de shotgun, ton oreille, elle se décrase toute seule. Genre, t'as plus besoin de coton-tige. Attends, on va essayer un truc. Si j'étais pas nul, ça pourrait aller. Attends, on va visiter. Y'a quoi là? Oh! Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais faut monter plus. Eh, mais l'ascenseur. Allo? Mort! Oh, putain, allez, ça recommence comme dans Overwatch 1! D'accord. Je veux pas montrer là!
qu'ils savent que je suis là. Je sais pas, hein. Tu arrêtes? Il est descendu? Tommy! Oh, la sortie! Putain, c'est pas possible! Voilà. C'est bon! Vas-y, avance, Bob! Avance, avance. Je t'aime pas, Bob. Welcome to Overwatch, syndrome Overtime, welcome, oh, bienvenue dans Overwatch, c'est bien, le 1, le 2, ça n'a pas changé, l'Overtime est toujours source de bonne volonté pour les alliés, ça pousse au moment où on va perdre. Il y a un problème de musique là. Il y avait une musique de POTG et une autre musique en parallèle. Bizarre. Allô? Et ben voilà, c'était du coup New York. Alors, on découvrira évidemment tout cela en détail. On la visitera évidemment chaque pièce, chaque recoin, chaque peinture, chaque poster. Mais là, waouh, une bonne map. Une bonne map bien designée pour le 5v5. Ça sera pas forcément peut-être le cas pour certaines maps qui étaient présentes dans Overwatch 1. On verra tout cela. Mais New York et Midtown, on va l'appeler exactement son nom, je trouve que c'est une plutôt bonne map pour une map qui est une map hybride, encore une fois. On n'a pas eu vraiment de gros problèmes, bon, problème d'aim de ma part, hein, mais globalement, je trouve que des deux côtés, c'est plutôt clean. Au niveau survie, je trouve que c'est plutôt modeste, c'est plutôt normal finalement, alors que... Bon, bah voilà, on a plus de tank que Shield en tout cas. Là, on avait nourri ça versus un Rodog. Je trouve que c'est. Je sais pas. Ça a réussi à retravailler la façon dont ça se comporte dans les games. Je sais pas. Il va falloir analyser tout ça, comprendre le pourquoi et comment. Mais c'est vrai que le ressenti global d'avoir enlevé un perso déjà doit jouer beaucoup, je pense. Donc voilà. En tout cas, nous, on va pas s'éterniser plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. Première partie sur Midtown. Ça fait plaisir. Hashtag New York. Évidemment, on va se retrouver pour mille et une vidéos encore de découverte de ce jeu, de cette bêta d'Overwatch 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye.